L'équipe, bon, c'est rare que je fais ça, tu vois, mais pour les personnes intéressées, justement, qui aiment les vidéos actuelles, etc., j'ai mis une chaîne secondaire pour les personnes intéressées, et dessus, en fait, je fais un replay de toutes mes vidéos. T'es pas le sang, non. M'appelle pas le sang, je suis dans le bon sens sur le taureau de la malchance. Il est vraiment pas le petit doigt quand je vais servir dans mon index. Toujours les bons réflexes, surtout quand ça devient complexe. J'interviens pour briser les codes, tu vas me donner le coffre et le code. Faut piler les quiches, plus tard, je vais viser Chiquita. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Hey. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actuelle du mardi. L'équipe, dans cette vidéo, je te roule ce passant entre hier soir et aujourd'hui. Et là, il y a Leto qui s'est fait contrôler par la police en vidéo et il a bloqué Sadek sur Instagram. Et Sadek, il a réagi. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence à tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actuelle du mardi, il y a Leto qui s'est fait contrôler par la police. Et ça a été filmé par Kepler, le frère de Chebé, qui a été justement braqué en vidéo il y a pas longtemps par la police. Bref, regardez. Faites doucement, vous voyez pas, Kepler, je moi je filme. Vous faites les choses pour rien du tout là. Ben moi je filme. J'ai rien dangereux. Ben là quand tu restes pas sur nous, hein. Bah oui, il filme au cas où. On sait jamais. Eh, d'abord je regarde ce qu'il y a. Oui, je vais tous vous sortir madame. Vous êtes non, mais... Je vais tout vous sortir. Je comprends pas. Si c'était un couteau, tu crois quand même pas que c'était sorti. Mais vous croyez que j'ai un couteau? J'ai rien du tout. Sinon, j'ai l'air agressif avec vous là. Vous êtes une femme, on va jamais être agressif avec vous. Voilà, lui fait trop le show, lui. Pour rien du tout. Il fait trop le show. La vie de ma mère. Ensuite, l'équipe, vu qu'on parle de Leto, il vient de bloquer justement Sadek sur Instagram. Comme tu peux le voir, c'est Sadek qui a mis ce screen en story et il a écrit: oh non, pas le copain Leto, avec des smileys, tu vois, genre, mais non. Enfin, bref, t'as capté. Je pense que c'est par rapport à l'histoire justement qu'il y a eu quand Sadek il avait clashé Leto en story, etc. Bref, t'as capté. Ensuite l'équipe, avant de reprendre sur les stories de Sadek, on va d'abord voir les stories de Booba, puisqu'en fait Booba il vient de piquer justement encore une fois Caris en story. En gros il a publié ceci et il a écrit: Caris, il faut absolument pas que je te recroise, je te supporte pas, c'est une dinguerie. En même temps je supporte pas grand monde, avec des smileys morts de rire et le drapeau pirate. Ensuite il a laissé encore un message pour Caris, il a publié cette photo de lui et il a écrit: alerte, adultère, Armand est à Dubaï avec Marion, la fille avec qui il vient d'avoir un garçon, dans le dos de l'Indouche. Le premier qui nous envoie une photo ou vidéo des deux tourtereaux, contactez-nous en DM. Salim nanana. Donc voilà, tout simplement. Ensuite l'équipe, on va mettre la story de Booba de côté et on va reprendre la story de Sadek, puisqu'en fait Sadek il vient de laisser un message vidéo à Maï Wagenham, mais aussi à Soraya Rifi de TPMP, celle qui avait fait le buzz par rapport à Jean-Michel Maire qui avait embrassé son sein, bref t'as capté, et à tous les autres influenceurs. Hey. Enlève la main droite le téléphone, enlève la main gauche, je pianote et je te fais trembler tout le plastique de France. Et tout le plastique de France, il est en train de trembler. M'en faites-y pas genre, parce que je sais que c'est la tempête de glace dans vos DM. M'en faites-y pas genre. Là, combien là, 40-45 000 personnes qui se sont fait arnaquer par vos escroqueries et vos sorcelleries de vos morts là. Ah, il est temps de passer au tiroir caisse, hein. Peut-être de l'inter avec Caronex sanitaire que vous êtes tous passés au tiroir caisse là. Maman, je te le dis moi. Eh Mag Wesley. Il faut payer. Toujours pas besoin d'argent. Toujours lui savoir dire chose que vous savez jamais dire. Toujours savoir dire Alhamdulillah. Dans la haisse, dans la bienséance, le luxe. Toujours dire ça. Mais vous non. Greedy. Toujours vouloir plus. Ils nous l'ont volé. Le méchant en bite joufflu. Le précieux. Et vous allez perdre le précieux. Corlo. C'est comme ça qu'ils sont là, non, en baraque là. Ça doit se taper, se tirer les cheveux là. Oh Seigneur Dieu, elle a changé de camp la dépression là. Hey, je pense qu'il faut déjà rembourser nombreuses personnes. Plus comprendre personne. On dit abonnement 1 euro, après personne prélevait 50 euros pendant 2 ans. Why, c'est trop méchant. Moi, pas ma faute s'ils mettent nu de vous, escorte plus de caca à manger poutou. Ça, les gens ils sont énervés, c'est normal, c'est le peuple. Masse à vous les sans culottes. Et depuis longtemps vous êtes sans culottes. Hey Mila, t'es plus choqué par les propos? On t'a mis la muselière? Waf! Ouh! Attendez deux secondes. Pour le bon JMM là, Jean-Michel Maire là, qui t'a fait la choquer là, alors qu'on te voit danser sous kétamine, hein? Avec les uns qui indiquent la lune, un uns qui indique la lune et l'autre qui indique Mars là. Mince Seigneur Dieu là, bah, heureusement que les gens ont des téléphones comme vous et nous. Hein. Que je peux te dire que les gens ils sont bien déçus là. Ils sont bien déçus les enfants perdus là. Ah, vous les avez bien perdus les enfants perdus là. En vrai je suis une demeure tout seul. Les regardez plus. On est 3,5 millions d'ici. Les regardez plus. Ah, vous voulez que je vous donne des séries moi? Allez The Boys. Y a quoi d'autre là en ce moment que j'avais kiffé? Hunter. Viking des dernières saisons. Y en a de la série. Y en a du film ma couille. Tu nous fais là. C'est même pas intéressant. Wallah c'est pas intéressant. Je crois que j'ai jamais regardé.
Je te rappelle que j'ai fait du placard, hein. J'ai fait 3 semaines de placard. Petite équipe, il y a quelques jours on a parlé de Sadek qui avait clashé Zola et Ziak. Et ben là on vient de m'envoyer d'où ça vient en fait. C'est le rappeur Kai du M en featuring avec Rose Da Gang dans le son C'est Nous. Il a clashé Zola et Ziak, mais vraiment méchant. Et c'est de là dont on en vient justement au tweet avec Sadek. Où en gros Sadek il clashait Zola et Ziak. Donc voilà, t'as capté. Et encore merci à tous ceux qui commentent, on est ensemble l'équipe. Ça fait grave plaisir et c'est grâce à vous. Ensuite l'équipe, il y a Dana qui vient de répondre à tous les pics que Sadek lui a lâché depuis quelques jours. Et à ceux de Malky aussi, par rapport à tous les pics et les clashs, etc. Enfin bref, et bah tu vois, il vient de répondre justement à tous les pics et les clashs en vidéo. Regardez. Un gros porc, et des pas du 7-8 là, soi-disant, qui t'ont dit me connaissent et qui veulent prendre tes patins. Et bah ramène-les! Ramène seulement, espèce de fils de d'acteur, acteur. Tu n'es qu'un acteur. Toi, t'as pas la force de mettre une patate. Tu n'es pas capable. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas doté cette force-là. Il a dit, lui, ce sera un divertisseur. T'es un acteur, fils de. Avec moi, il n'y aura pas de bagarre. Je vais t'éteindre. Je vais te patater que le coup, toi. Moi, c'est que le coup. Espèce de trou du cul. T'es tout lent. Tu vas rien faire. Oh là. Ton pote Malky, je vais lui faire ta mère la reine, lui aussi. Et tes amis du 7-8, là, qui t'ont dit soi-disant, ils me connaissent, ils sont capables de prendre tes patins. Ramène-les. Je vais vous allonger, toi, ton fils de Malky, autant qu'ils sont eux. Bande de schmeita, va, voilà. T'as confondu deux mondes, le tien et le mien. Le tien, le monde des réseaux. Tu parles devant les gens, tu racontes ta vie, t'es une p***e. T'as jamais réussi à mettre une pêche à quelqu'un, parce qu'on te connaît, tout le monde te connaît. Et le mien, le monde de la violence, tout simplement, en un mot. Maintenant, toi, t'as oublié, fils de p***e, 2013, t'es venu à Conflans, ça t'a volé ta casquette, ta chaîne, ton téléphone. Les humains ont pris ton micro, ils ont continué ton concert sans instru. T'as fermé ta mère, la reine des p***e, t'es parti comme la p***e. Ok? Sans citer la vieille vidéo où tu te bagarres avec un taximan mesquine qui fait 1m20, hein? Et l'autre p*** de Malky là, ta suceuse professionnelle qui te suit partout là, hein? Sale fils de p***, avec tes bras pleins de ch'tard, t'as la gale. Toi tu veux tester toi? On t'a remonté à Belleville, hein? T'inquiète pas avant, on t'a remonté, hein? On connaît des gens qui te connaissent et qui m'ont dit laisse tomber la suie. Tu vas le taper, il va les porter plainte. Bref, quand on va se voir. Ah là là, et juste au passage l'équipe, je tiens à remercier Riton Off sur Instagram pour cette info. Car pour le coup, c'est lui qui a été à l'affût et qui a justement tout screené pour m'envoyer. Car moi j'ai pas eu le temps de voir la story, donc franchement merci à lui. Ensuite l'équipe, pour clôturer cette petite vidéo actu du mardi, on a Sadek qui a mis en garde tout le monde, mais vraiment tout le monde en vidéo, regardez. Si je vous parle comme ça, vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Vraiment, est-ce que vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je vous aime, c'est moi le plus gros des perdants de base. C'est moi qui j'ai vécu une vie de dinde toute ma vie. Ça me fait mal de voir ce qu'ils vous font, ça me fait mal. Et n'essayez pas de me dire si t'intel. Tout le monde a droit à l'erreur, comme vous. Vous êtes fait arnaquer, comme eux, c'est une erreur de vous arnaquer. Le but c'est que ça cesse, c'est pas qu'on se monte contre les uns les autres, hein. C'est toujours aimant nous vivant. Une fois une bonne discussion franche, ça permet de revenir aux bases. Vous en avez marre de cette bande de racailles? Eh ben on va vous en débarrasser. Crala. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. T'es pas le sang, m'appelle pas le sang. Je suis dans le bon sens sur le taureau de la malchance. Il est vraiment pas le petit doigt quand je vais servir dans mon index. Toujours les bons réflexes, surtout quand ça devient complexe. J'interviens pour briser les codes, tu vas me donner le coffre et le code. Faut piler les quiches, plus tard je vais viser Chiquita. T'es qu'il avait plusieurs tigas. T'es rappeur, c'est des Kunchita. Du truc. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas son très sûr aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements. Dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2-3 pure là, c'est juste pour référencement. Sinon, comme d'hab, moi l'équipe se dit à soir pour une nouvelle micro-séance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour les personnes intéressées, ma chaîne secondaire, elle est dans la description pour ceux qui ont capté le message du début. Enfin bref, peace les gars.